Je m'appelle Maxence, je suis responsable pédagogique à l'association ESSOL Paris. L'association, c'est une association sportive et culturelle. On a plusieurs projets, on a des projets sociaux, des projets éducatifs. On est un des premiers clubs à s'être inscrit dans ce dispositif de club sportif engagé à la FSF. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'on a pour idée vraiment de se professionnaliser. Et depuis qu'on est dans ce dispositif, on participe à des webinaires, on est plus au courant de ce qui se passe dans ce sujet d'insertion professionnelle et sociale. On crée des liens avec d'autres associations. On est plus au courant des subventions qu'on peut également avoir, obtenir pour aider ces jeunes à mieux s'insérer. L'un de nos projets principaux, c'est un projet qui s'appelle Éducation par le sport. Donc on accompagne des enfants scolairement qui sont en difficulté. Donc on les repère dans les écoles, on les accompagne au soutien scolaire 2 fois par jour pendant 1 heure et demie. Et à la suite du soutien scolaire, on fait 1 heure et demie de sport. Je pense à un jeune qui s'appelle Youssouf, qu'on a accompagné dans le projet d'éducation par le sport, qui a bifurqué vers la compétition parce qu'il avait une appétence pour la compétition. Et au fur et à mesure, en l'accompagnant sur son projet scolaire, il s'est rendu compte qu'il avait une appétence également pour l'éducation des enfants. Donc on lui a conseillé de faire un BPJEPS et il a fait son BPJEPS avec nous pendant 2 ans et maintenant il est éducateur sportif dans notre club. Et on veut continuer dans cette dynamique en faisant des actions, notamment une action du Stade vers l'emploi en juin.